je suis vraiment trop ravie de vous retrouver parce que j'ai un super bon plan pour vous. Je vous offre des bons d'achat, oui. C'est moi qui les ai gagnés avec une application Loto en fait que j'ai sur mon téléphone. Alors on va déjà, hein, déjà dans le premier temps, choisir le mot du jour qui sera celui de Chiquita 2. J'espère que je l'ai bien prononcé. Qui sera couleur, donc C-O-U-L-E-U-R. Couleur quoi, comme la couleur. Voilà, tout simplement. Donc voilà, maintenant qu'on a réglé le problème du cheveu qui se balade, le problème du mot du jour. Si tu atterris sur cette vidéo, mais que tu n'as strictement rien à me dire, genre, moi je regarde des vidéos, j'ai pas envie de parler aux filles, parce que voilà, j'ai rien à leur dire. Sauf que quand elles me mettent, par exemple, si elles me mettaient un mot du jour, genre bisous, bah, je mettrais bisous en commentaire. Donc tu n'as rien à me dire, mais là, tu vas avoir quelque chose à me dire, tu me mets le mot du jour. Voilà, qui est couleur, en barre d'infos, en commentaire. Moi, je te répondrai avec un gros cœur pour te dire que je te kiffe à la folie. Voilà, et c'est vrai que je vous kiffe à la folie. Donc, maintenant que ça, c'est réglé, on va passer, hein, vous avez vu le titre de la vidéo, de toute façon. On va parler de beauté privée. Alors, il y a des choses que j'ai achetées, moi, avec mes sous, quoi. Enfin, je veux dire, beauté privée, j'achète tout le temps plein de trucs sur beauté privée. Genre Makeup Forever, d'ailleurs, j'ai un haul Makeup Forever de Mathusalem à vous présenter là-dessus. Sur du Physigen Formula, il y a toujours des ventes de ouf. Donc, bon, moi, je suis consommatrice, hein. Donc, par contre, là, j'ai trouvé une application de l'auto. Donc, en fait, le soir, quand je fais mes... je fais mes grilles. Et en fait, tous les soirs, à 20h45, il y a un tirage. Et le tirage vous permet d'avoir des bons d'achat. Voilà. À partir d'un certain montant d'achat, bien entendu. Mais vu qu'à chaque fois, je claque 80, 100 euros chez beauté privée, à un moment donné, si je peux avoir un bon d'achat, ça peut le faire, quoi. Tu vois. En plus, je te crache dessus. Eh bien, en fait, j'ai gagné à plusieurs reprises des bons d'achat de 10 euros valables à partir de 40 euros d'achat sur beauté privée. Sauf que moi, je n'avais pas d'utiliser parce que j'en ai une dizaine, une quinzaine que je ne vais pas utiliser. Donc, je préfère vous les offrir à vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vu que c'est des bons de 10 euros sur une valeur de 40 euros, si tu as une commande à faire sur beauté privée, tu vas voir, il y a des sorties hein, en ce moment. Il y a notamment en ce moment, mais je vais vous en parler après, une gamme pour les cheveux qui s'appelle HC. Prestige, voilà, qui fait des super produits pour ne pas, pour pas endommager vos cheveux. Il y a une vente Topic Crème en ce moment. Il y a aussi des ventes de parfums. Il y a les Lolita Lempicka. Enfin bref, si tu dois passer commande et que tu souhaites bénéficier d'un bon de 10 euros à partir de 40 euros d'achat, passe par mon lien de parrainage. Je te mettrai lien de parrainage pour le loto. Voilà. Tu t'inscris sur le site Beauté Privée avec mon lien de parrainage. Et moi, vu que tu seras mon filleul, tu m'envoies aussi un mail à mon email pro, qui est lavieenrosepro@gmail.com. Et je vais comparer l'adresse avec laquelle tu m'auras envoyé le message à l'adresse que tu auras utilisée pour t'inscrire. Et si c'est les deux qui correspondent, je t'enverrai par message, donc par retour d'email, le code que tu devras utiliser avant le 28 février. Attention, le 28 février, tout expire et je n'aurai plus, les codes seront plus valables. Voilà, pour vous faire plaisir, il reste des soldes sur les Lolita Lempicka, sur les parfums. Il y a une vente Wilkinson, il y a les Topic Crème, il y a pas mal de belles choses. Donc voilà, pour vous faire plaisir. Mais il faut absolument que j'ai votre email dans mes filleuls. Comme ça, je peux tout de suite vérifier que vous êtes bien la personne que j'ai parrainée. Enfin, tu vois bien. Donc voilà, ça c'est pour les bons de 10 euros. Je crois que j'ai aussi d'autres bons, mais j'ai des bons aussi pour BC26 bijoux. J'ai des bons Wonderbox, mais je crois qu'ils ont expiré. Et sur cette application-là, donc deuxième chose, je vous mets le lien de mon code parrain pour accéder depuis votre smartphone ou votre tablette à l'application de ce fameux loto où vous faites tous les jours vos 10 grilles et sur les 10 grilles, vous pouvez gagner des bons d'achat. Moi, j'ai gagné des bons d'achat. J'ai gagné un bon d'achat de 40 euros sur beauté privée à partir de 100 euros et comme je vous dis, je claque tout le temps 100 balles chez beauté privée donc au moins, au lieu de payer 100 euros, j'ai payé que 70. D'accord? Donc, j'ai gagné un bon d'achat, non, 40 euros. Pas 30 euros. J'ai gagné un bon d'achat de 40 euros.
Donc, c'était à 30 euros. Donc, j'ai payé 60 au lieu de 100. C'est déjà énorme, hein. On soit bien d'accord. Et j'ai gagné aussi des bons d'achat Jiffy. Donc, des bons d'achat. Hier, j'ai gagné 30 euros. Du coup, j'ai acheté mais à partir de 80 euros d'achat, c'est pareil, hein. C'est toujours, il faut que t'achètes et t'as ton bon. Mais vu que maman et moi, quand on y va à deux, elle a des besoins, moi j'ai des besoins, et quand on fait les deux, on en avait pour 90 euros, du coup, les 30 euros ont fonctionné. Et des fois, c'est 10 euros à partir de 40 euros d'achat aussi. Donc, du coup, si je récapitule tout, moi, chez Beauté Privée, j'ai passé une commande que je vais vous montrer tout de suite, plus j'ai reçu des produits aussi, des marques à vous proposer, à vous montrer, et des bons d'achat donc, dont j'ai bénéficié. Je me suis acheté pour le nouvel appartement deux chevets blancs. J'essaierai de vous mettre les photos, sinon j'y arriverai pas. Enfin bref, vous voyez desquels je parle. Et une tour avec plusieurs, voilà, c'est un chiffonnier avec plusieurs tiroirs, je crois qu'il y en a 6 ou 7, que j'ai eu du coup, au lieu de l'avoir à 59, ben, j'ai eu 30 euros de moins, puisque ma mère, donc à 29 au lieu de 59. Donc plutôt le bon plan, enfin j'ai envie de vous dire. Après, je vous mets pas le couteau sous la gorge, mais c'est con de pas en profiter, alors que c'est vraiment un bon plan. Il y a Beauté Privée, il y a aussi des jackpots, hein. Si vous gagnez le jackpot, par exemple, 100 000 euros, voilà, enfin, voilà. Donc, c'est comme vous voulez, télécharger, vous inscrire, voilà, tout simplement, bénéficier de ces bons d'achat-là, ou pas. Moi, je trouve que c'est un super bon plan, donc je vous en fais partager. Alors, je vais commencer avec les choses que j'ai reçues de Beauté Privée, et ensuite, je vous parlerai des choses que j'ai achetées sur Beauté Privée avec mon bon de 40 euros, justement. Donc, la première chose, j'ai reçu de la marque HC Prestige un duo. Donc, ça, c'est un masque glacé réparation extrême au collagène et à la vitamine E qui, en gros, me fait ses cheveux de rêve. Alors qu'il faut que je les coupe. Vous voyez ces cheveux? Voilà. Volume, oui. Ils sont vachement beaux, enfin, je suis fan, voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est une gelée, mais vraiment gelée, ah ben il y avait de l'eau dedans, mais c'est pas grave, c'est une gelée, fait, j'adore, c'est un peu même gluant, enfin moi j'adore, tu prends ça dans tes mains, il en faut très très peu, tu mets ça sur tes longueurs et pointes, tu sens que tes cheveux ils aiment ça, quoi, tu vois, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le masque est à 19 euros, je crois, sur Beauté Privée en ce moment. 11 ou 19. Enfin, je suis allée voir les prix, j'ai déjà oublié, tu vois. Genre, poisson rouge, c'est moi, quoi. Et ensuite, j'ai pris l'Ice Mist, donc c'est la brume glaciaire, pour vaporiser, en fait, quand vous avez vos cheveux mouillés et que vous allez ensuite les traiter. Soit par la chaleur, ça va quand même éviter un protecteur de chaleur, en fait. Mais cette marque-là a sorti les plaques glacé pour les cheveux, pour les rendre plus brillants, pour les rendre plus forts et tout, tu vois. Donc en gros, ben, elle coûte 200, enfin, je sais plus combien, 219, je crois. Avec une brume comme ça, vous avez les plaques. En fait, c'est pas un fer à friser, un fer à lisser. C'est un fer à lisser, mais glacé. C'est des plaques, elles sont froides. Donc, bien entendu, ça me fait rêver. Tu vois, j'ai trop envie d'acheter. Mais là, financièrement, c'est pas possible. C'est même pas possible. J'implore la marque. Pour la tester, c'est vraiment une kiffaine énormément tester ça, franchement, mes cheveux, je pense qu'ils en auraient besoin. Et déjà là, je vois la différence. Vous voyez la différence quand même ou pas? Il y a que moi qui la vois, quoi. Donc, et là, ils sont pas brossés, rien du tout. Hein. J'avais juste fait un chignon après le séchage, enfin, le séchage au naturel. Je ne sèche jamais mes cheveux au sèche-cheveux. Non, non, non. Tout au naturel. Alors, au naturel, pour avoir un volume pareil, j'ai envie de te dire, c'est que ça doit marcher. Ça doit les réparer quand même un minimum. Donc, je suis vraiment trop contente d'avoir testé ces produits-là parce que franchement, j'espère, enfin, les plaques glacées, elles doivent être sublimes. Et ça, en plus, les produits-là, avec l'effet des plaques froides, c'est en fait, ça exacerbe. Vous pouvez les utiliser tout seul, hein, pas de problème. Ça fait très bien le job. Mais en fait, avec les plaques glacées, c'est formulé pour. Du coup, ça augmente l'effet sur vos cheveux. Donc voilà, tout simplement, ça m'a donné l'eau à la bouche. Voilà, j'ai trop envie de tester ces trucs. Donc voilà, ça, c'est fait. Le truc que tu rêves d'avoir, mais que tu n'auras pas. C'est comme Clarisonic, hein, tu vois, c'est tout pareil, quoi. Donc, en alternance avec ma brosse Silvercrest à 15 euros, je me suis acheté la Sony Clear de Michael Todd, que j'avais vu sur plusieurs chaînes. Donc, ma loulou, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous, je t'aime. Et ma petite Anne-Claire.
sans faire de make-up, hein, on n'en parle plus, je regarde toutes ses vidéos, enfin bref, elle me hante, la fille, tu vois. Et donc, elle avait présenté ça. Donc, le design de ouf. Donc, il y a des brosses pour le corps, des brosses pour le visage, c'est un peu comme un Panasonic, tu vois, qui te brosse le visage. Hein. Sauf que, ça, il y a plusieurs. Donc, c'est tout doux, hein. Il y a plusieurs vitesses. Il y a même un mode micro-dermabrasion, sauf que bah, c'est vraiment. Donc, ça s'appelle le C-Boost. J'ai pas tout lu, hein, parce que franchement, j'ai pas eu le temps, j'ai eu plein de choses à faire, donc voilà. Je l'ai testé, elle est très très abrasive. Donc pour les peaux qui sont sensibles, il faut mettre une vitesse minimum, parce que moi je mets toujours à fond les ballons. Hein, sauf que non, il faut pas. Donc prenez un, le C-Boost, oubliez, parce que vraiment c'est micro-dermabrasion, voilà, ça. Moi honnêtement, heureusement que j'ai eu ma routine Sanoflore après, hein, mais c'est du costaud, hein. Donc lui, mettre aux petites vitesses et tout et tout. Et c'est vrai que les picots silicone de la Silverpress rendent la peau plus douce que cette brosse-là qui vraiment nettoie en profondeur. C'est vraiment pour nettoyer en profondeur. Hein. Vous voyez sur la boîte même, qui est énorme hein, d'ailleurs, vous voyez, là c'est les résidus en fait de peau morte que vous avez. Et en fait, au fil des utilisations, ça donne ça. Vous les avez de moins en moins. Donc là, ils ont dû, je sais pas, coller de... Enfin, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ces photos-là. Bref. Ça fonctionne, oui. Ça stimule le collagène, je ne sais pas, parce que le C-Boost, en fait, est censé stimuler le collagène. Donc ensuite, donc ça, c'était la brosse que j'ai achetée. J'ai reçu de la marque Topicrème un duo que vous retrouvez en ce moment sur Beauté Privée, bien entendu. Donc, il y a un gel nettoyant, purifiant, sans savon, nettoie, purifie, pour les peaux grasses et sensibles, qui élimine les impuretés et l'excès de sébum. Le gel, donc vous voyez, je l'ai quand même testé, il en faut très peu, donc j'ai été étonnée d'en avoir consommé autant, parce qu'en fait, je l'ai utilisé, mais quoi, une semaine complète sans m'en lasser, quoi. D'habitude, j'alterne et tout, non, je ne m'en suis pas lassée. Donc, il n'y a pas de parfum, ça c'est bien, parce que pour les peaux sensibles, sans parfum, c'est, voilà, il y a un léger parfum très très agréable, fraîcheur, quoi, de propre. Mais il y a un petit peu de fragrance, mais voilà quoi. Ensuite, il y a phénoxyéthanol, bon, c'est tout, c'est pas grave, mais c'est un bon nettoyant, et là, il passe pas cher en ce moment sur Beauté Privée, donc je vous le conseille, parce que c'est quand même une marque de parapharmacie qui est plutôt appréciée, en fait, chez les personnes qui, voilà, ne peuvent pas avoir des produits avec trop de parfums, etc., qui entêtent et qui, voilà. Donc, pour les impuretés, ça fait ressortir les boutons, hein, je vous avoue. Hein. Mais bon, j'ai eu ma période rouge au même moment, donc ça a dû être aussi ça. Et ça a beaucoup calmé, ça, plus les crèmes Sanoflore, ça a beaucoup calmé les boutons que j'avais eu, mais enfin, j'ai fait une éruption, mais waouh. Et j'ai essayé la crème hydratante compensatrice. Alors là, par contre, je suis mitigée. Je suis toujours franche avec vous, je ne vous mens jamais sur mes produits. C'est-à-dire, si c'est bien, c'est bien. Si c'est bien, je vous le dis. Si c'est pas bien, là, je vous le dis aussi. Et là, avec moi, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que j'ai essayé... Alors moi, je mets en couche épaisse en général. Hein, ou en couche, voilà. Donc, déjà, ça s'absorbe pas... Enfin, ça s'absorbe bien, mais il y a toujours un résidu qui en fait fait pelucher. Je sais pas comment. Alors, il est bien, enfin, elle est bien, elle marche bien, elle traite bien, sauf que ça, c'est le point négatif qui est rédhibitoire pour moi, puisque je me maquille après. Enfin, si elle n'est pas absorbée en totalité. Alors, pour les personnes qui ne se maquillent pas, qui laissent leur peau après avec une crème, qui mettent juste une poudre compacte sur le visage, ça ira nickel. Et moi, c'est pas possible, puisque je mets un sérum, puisque je mets des fois une bébé crème, plus un fond de teint par-dessus pour cacher là où j'ai plus d'imperfections, il faut que je mette un peu plus de couvrance. Donc je mets la bébé crème en fond et je mets par touche là où j'ai besoin de fond de teint. Et là, ça pluche. Donc c'est pas possible, ça me fait des bouloches. Là, pour moi, ça marche pas. Et par contre, pour quelqu'un qui a juste besoin d'une poudre par-dessus qui ne touche pas à son teint, ça marchera. Donc voilà, un petit peu mitigé là-dessus, c'est en fonction des usages. Et moi, pour l'usage que j'en ai d'une crème hydratante, ça ne fonctionne pas.
Mais après, j'ai pas dit que c'était pas un bon produit. Hein. Non, 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 hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Bon, juste pour moi, ça fonctionne pas pour le maquillage par-dessus. Et j'ai essayé en couche gras, en couche épaisse, en couche fine, en couche, tout ce que vous voulez. J'ai jamais... Non, ça peluche quand même, donc peux pas. Peux pas. Et pour les deux dernières choses que j'avais à vous montrer de beauté privée, c'était les deux Lolita Lempicka, donc je l'aime, eau de toilette, voilà. Et le, c'est lequel celui-là? Le Si Lolita. Voilà. L'autre parfum. Donc il y en a un qui est à 50 ml celui-là et un qui est à 80 ml. Et ils étaient aux alentours d'une 26-29 euros. Hein. Je vous dis tout le temps, moi, passer 30 euros, pour moi, c'est plus possible. Donc là, c'est le Si Lolita. Je me rappelle plus les odeurs qu'ils ont, mais ils sentent très bon, ça me va. Et puis celui-là, c'est le. Voilà, le comme ça. Voilà. Elle l'aime. Voilà. Donc, oui, je l'aime aussi. Hein. Il sent très bon. Après, je suis une guiche quand il s'agit de décrire les odeurs. Donc, dans tous les cas, je vous laisserai une note en barre d'infos pour tous les liens déjà. Et puis tout ce que vous avez à savoir sur les produits, parce que je pense que c'est important pour vous d'avoir un maximum de descriptifs en fait sur tout ça. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer pour beauté privée. Donc oui, voilà le truc du jour, c'est de vous inscrire sur beauté privée et puis de m'envoyer un mail pour que je puisse vous faire bénéficier de mes 10 euros que je vais pas utiliser jusqu'au 28. J'en ai, ouais, je vous dis 10 ou 15. Pas passer 10 ou 15 commandes à 40 euros sur beauté privée, tu vois. Donc n'hésitez pas à voilà me communiquer vos adresses que je puisse vous envoyer ça dans les plus brefs délais, parce qu'il y a vraiment voilà, pas mal de parfums que moi, par exemple, tous les Calvin Klein, mais je les ai les Calvin Klein, vous savez, les Euphoria là qui sont en forme de lune, ils sentent très très bon, je vous les conseille, mais moi je les ai déjà, enfin, ils sont neufs, ils sont à Reims, sont emballés, mais ils sont neufs. Donc je vais pas en racheter exprès pour le plaisir de racheter. Déjà qu'on me dit que je claque, enfin que j'achète beaucoup. Ouais, mais grand, je bois pas, je fume pas. Enfin ouais, j'ai pas à m'excuser de quoi que ce soit. D'ailleurs, si j'achetais pas, j'aurais rien à vous présenter. Enfin bref, blague mise à part. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est pas du tout dans le but de faire quoi que ce soit comme argent, parce que sur beauté privée, les liens de parrainage, t'as un point par personne, par filleule. Et il faut atteindre 50 points pour avoir je sais pas quoi d'ailleurs. Donc tu vois, enfin c'est pas dans le but de faire du profit. Sachez aussi que Beauté Privée de temps en temps fait des partenariats avec iGraal. Donc vérifiez, installez votre toolbar iGraal avec mon code Lupidi, 10 euros jusqu'au 21 février, jusqu'à la fin des soldes. Donc c'est voilà 10 euros quand même, plus 1 euro pour la toolbar. Et dès que vous avez, vous allez sur Beauté Privée, si ça clignote, c'est qu'ils sont partenaires. Donc n'hésitez pas à la télécharger, ça ne coûte rien. Et vous aurez 11 balles, comme ça, gratuit. Et dès 20 euros, vous pouvez vous faire transférer de l'argent sur votre compte bancaire. Bref, tout ça est dit. Maintenant, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère ne pas vous avoir trop dérangé. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. Je vous aime d'amour, n'oubliez jamais ça. Vous êtes mes chéris à moi. Donc voilà, je vous fais d'énormes gros bisous d'amour. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.